Et tu n'as plus que 5 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi t'as envie d'avoir tous ces box gratuitement à ta place, je prendrai vraiment pas le risque. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à des abonnés. Si toi, tu aimerais gagner un petit cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela, c'est vraiment très simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne avec la petite cloche de notification. Tu likes cette vidéo. Et bien sûr, il va falloir me mettre ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance. Allez, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je remonte super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. C'est un format super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à rentrer dans la boutique d'objets et de faire la case soutenir un créateur et de rentrer le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite, c'est super important. Cela me soutient énormément, merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un tout nouveau glitch, ce Fortnite Battle Royale en saison 4. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Cela me fera vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à lâcher un gros like sous la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, comme vous avez vu aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un tout nouveau glitch de V-Bucks sur Fortnite Battle Royale en saison 4. Comment obtenir plus de 13 500 V-Bucks, voilà, pour le prix de 80 €. Nous, on va simplement les obtenir gratuitement. Du coup, j'ai vu le glitch sur TikTok, normalement tout a l'air de fonctionner. C'est pour ça que je vous demande vraiment un maximum de pouces bleus pour ce tout nouveau glitch. Ça fait vraiment super plaisir. Du coup, comme d'habitude, avant de commencer les guides, je t'invite à te rendre dans la boutique de juste de faire la case soutenir un créateur et de rentrer le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Une fois que tu l'as rentré, tu as juste à aller dans la case jouer et là tu vas dans tes paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, tu cliques ici sur le petit logo. Là tu fais ressortir des guides d'opinion, tu cliques sur oui, tu fais appliquer. Et là tu cliques sur non, tu fais appliquer. Et après avoir fait ça, cela, tu vas juste à faire choisir le mode de jeu comme moi dans la vidéo. Là tu cliques sur le mode de jeu Battle Royale. Tu attends le chargement. Et là ici tu as juste à écrire 13 500 V-Bucks. Après là tu fais envoyer. Là vous devez être dans un canal pour envoyer le message. Ce que vous faites, vous cliquez ici dans les paramètres. Là vous allez avoir votre message 13 500 V-Bucks. Ce que vous allez faire, là vous allez faire signalement retour. Là vous allez cliquer sur signaler un bug. Là vous allez descendre tout en bas, boutique, casier ou salon. Vous allez cliquer dessus. Là vous allez voir les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Vous allez cliquer sur ce message là. Là vous allez continuer et là vous allez accepter votre message. Là vous allez attendre envoi du signalement. Là vous allez confirmer votre signalement. Après là ce que vous allez faire, là vous allez faire la case acheter plus de 13 500 V-Bucks. Normalement il y aura un écran noir, peu importe votre plateforme. Là vous allez juste à faire retour. Là vous continuez sur la boutique d'objets. Vous allez avoir un petit chargement. Vous allez faire la case soutenir créateur. Là vous allez rentrer le code créateur Fintex dans la boutique. Là vous allez faire accepter. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez partir dans vos paramètres. Vous allez faire choisir le mode de jeu. Là il vous reste juste à cliquer sur le mode créatif. Là vous allez attendre le chargement. Là vous avez juste à faire le bouton ici, paramètres. Vous allez cliquer sur la petite tête ici. Et là dans quête d'opinion vous allez faire oui. Et là vous allez appliquer. Et simplement ce que vous allez faire encore une fois, vous allez encore choisir le mode de jeu. Là vous allez bien cliquer sur le mode Battle Royale. Vous allez attendre le chargement et simplement sur la vidéo, inutile d'attendre 1-2 jours avant de récupérer plus de 13 500 V-Bucks ce Fortnite Battle Royale. Du coup, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, voilà, en story. Du coup, voilà, venez me follow pour que je vous montre si le glitch a fonctionné ou pas. Ça fait vraiment super plaisir, voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez du glitch, s'il a été rapide ou long, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et de faire soutenir un créateur et de rentrer avec un créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Ça fait vraiment super plaisir, bah, sauf si des personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. C'était Fintex, allez, ciao tout le monde.